make me. Watch Dog 2, le mode multijoueur Shadow of the Colossus des DLC, sans compromis devient gratuit. Ubisoft a un petit peu changé ses plans pour Watch Dog 2, et son DLC sans compromis puisque le mode multijoueur Shadow of the Colossus ne fait désormais plus partie de ce pack, et il devient indépendant et gratuit pour tous. Watch Dog 2 va avoir droit à une mise à jour gratuite, et à la sortie de son DLC appelé sans compromis, et justement, Ubisoft a décidé de faire un compromis, puisque le mode multijoueur, Shadow of the Colossus, du fameux DLC passe du statut payant à Watch Dog 2, le multijoueur pour tous. Le mode multijoueur, Shadow of the Colossus faisait auparavant partie du DLC, payant sans compromis et aujourd'hui, Ubisoft décide de proposer Shadow of the Colossus par l'intermédiaire d'une mise à jour gratuite, le 17 avril. Pour combler le vide du côté de DLC, sans compromis, le studio français a décidé d'ajouter du contenu solo afin que les joueurs ne se sentent pas lésés dans cette histoire. En tout cas, le DLC, sans compromis, sera disponible le 18 avril prochain sur PS4, puis le 18 mai sur Xbox One et PC pour tous les détenteurs du Season Pass, mais aussi à ceux qui veulent l'acheter individuellement. On y découvrira une nouvelle série de missions pour Marcus, qui va devoir se friter avec la mafia russe dans une opération DedSec appelée Most of Gambi. Pour remplacer Shadow of the Colossus, vous trouverez des épreuves contre la montre en solo, ainsi que deux armes non létales inédites, un fusil à air comprimé, et un fusil de sniper taser. Le DLC permet aussi de découvrir trois nouveaux packs de services d'urgence avec des véhicules, et des tenues. Sachez à ce sujet que les tenues, ou les véhicules permettent à Marcus d'utiliser des capacités inédites, qui auront un impact sur les comportements des PNJ, et qui lui permettront de réaliser des choses par ailleurs impossibles. Concernant la mise à jour gratuite, c'est donc Shadow of the Colossus qui nous sera offert. On y découvrira trois types de matchs compétitifs, Stealth HDD, Doom Load, un match façon King of Hill, et Erasbar/Protect T-Server, une variante WATCH soulignement DOGS, des matchs domination classique. Le tout sur 15 cartes pour diversifier l'expérience de jeu. La maille gratuite ajoutera également les courses de drones, de motocross et des cartes se doteront aussi de fonctionnalités multijoueurs, et de classements, vous permettant de comparer vos talents de pilote à ceux de la communauté. On aura également des défis événementiels, une fonctionnalité quick swap pour les armes, un pistolet de paintball non létal et bien d'autres choses encore. Pour finir, sachez que Watch Dogs 2 est actuellement sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC. C'était Variox 268, abonnez-vous. N'oubliez pas de liker, de partager, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao, tout le monde parse. Take me, na, 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 oh.